En fin de contrat, avec Arsenal en juin prochain, Alexis Sanchez suscite de nombreuses convoitises, et notamment celles de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Les deux clubs se livrent depuis l'été dernier une rude bataille pour s'attacher les services de l'attaquant chilien. Mais selon les informations du Canal Plus et du Daily Express, ce serait le PSG qui aurait pris l'avantage dans cette lutte. Alors que le média français révélait mercredi que Sanchez et ses représentants étaient à Paris mardi pour discuter avec les dirigeants parisiens, le quotidien anglais va encore plus loin ce jeudi. Il affirme que le club de la capitale ne souhaiterait pas attendre le mois de juin pour récupérer le joueur de 29 ans et pourrait faire une offre de 25 millions de livres, soit environ 28 millions d'euros, dès cet hiver. Une information qui va à contre-courant de celle du Daily Mirror, qui indique ce mercredi qu'Alexis Sanchez pourrait rejoindre Manchester City libre cet été pour un salaire d'environ 400